Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau Teachy Vlog. Mais comme vous l'avez vu, ce nouveau Teachy Vlog a commencé à Londres, enfin un petit peu de ma classe et ensuite à Londres avec les studios Harry Potter. Puisque, oui, vendredi j'ai pas mal bossé ma classe pour m'organiser pour la semaine, puisque je savais que ce week-end j'étais à Londres et que ça allait être pas possible de travailler ma classe, hein, tout simplement. Donc j'ai tout préparé vendredi, mais je vous montrerai ça lundi à l'école. Et pour cette dernière semaine d'école, j'ai quand même prévu pas mal de petites choses, activités manuelles, finir notre journal de classe, mais aussi du travail, hein, finir un petit peu les points en tout cas que je devais finir pour, par rapport à ma progression de la période 1. Bref, du coup, en ce samedi, on est donc le 16 octobre, c'est mon anniversaire, et j'ai passé la journée à Londres, au studio Harry Potter, toute l'après-midi, et c'était juste trop bien. Vous l'avez vu de toute façon dans les petites vidéos, hein, c'était juste méga bien. Je suis encore en tenue Harry Potter d'ailleurs, hein. J'avais donc aujourd'hui pour l'occasion mis ma cape, ma cravate, mon gilet. J'ai eu ce matin comme petit cadeau de chez Pandora des petits bifs d'or là dans la dernière collection de Pandora et Harry Potter. Je suis trop contente. Donc, ma copine Karine me les a offert ce matin au réveil. J'avais mis mon bracelet pour la journée, mon bracelet avec tous mes charmes Pandora Harry Potter que mes anciens élèves m'ont offert. Donc j'en ai eu il y a 2 ans à ma première année de classe Harry Potter, et l'année dernière j'ai eu aussi un charme pour ma 2e année de classe Harry Potter. Cette année c'est ma 3e année de classe Harry Potter, et j'étais juste trop contente de pouvoir enfin concrétiser ma passion pour Harry et le fait que j'en parle à l'école, et que de concrétiser tout ça avec cette journée. Vraiment, c'était une super journée. Sachez que pour aller à Londres, vous avez été nombreux sur Instagram à me demander des renseignements, comment ça se passait au niveau de la paperasse, etc. Je vais vous expliquer assez rapidement. Et puis si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Premièrement, il faut le passeport, un passeport valide évidemment. Il faut aussi le pass sanitaire. À partir du 4 octobre, il n'y a plus besoin de faire de test PCR avant de venir, mais avant le 4 octobre il fallait en faire un. Donc là nous on avait le pass sanitaire, donc on était tranquille, mais on n'a pas eu besoin de faire de test PCR. Il faut aussi remplir un document sur internet, j'essaierai de vous remettre le lien, un document comme quoi que vous venez ici, vous voyagez ici, et avec ce document il va falloir acheter une sorte de code pour dire qu'au bout de 2 jours à Londres vous allez faire un test pour vérifier que vous êtes bien négatif. Sauf que nous on reste moins de 2 jours, mais il faut quand même acheter ce code, enfin ce pseudo code qui dit que vous allez pseudo passer un test, et ça vous permet de vous enregistrer pour ensuite le montrer avant de venir dans l'Eurostar. Donc nous on a pris l'Eurostar avant de prendre l'Eurostar, on a montré ce fameux papier qui disait qu'on avait bien déclaré notre venue à Londres. Ensuite nous avons montré nos billets tout simplement, et notre passeport évidemment. Donc voilà, alors j'essaierai de vous mettre les sites nécessaires dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse d'aller regarder un petit peu. Mon mari a tout géré au niveau des papiers, donc je peux pas vous dire précisément où est-ce qu'il a été, etc. Parce que c'est lui qui a tout géré. Moi j'ai géré que la partie Harry Potter, celle qui m'a intéressée le plus. Donc c'est moi qui ai payé du coup mes billets pour Harry Potter, c'était mon auto-cadeau. Mais mon mari a payé le train, donc le Eurostar, il a payé l'hôtel où on est ce soir, et puis il m'a offert plein de cadeaux, vous verrez. Il me permet de passer un super week-end d'anniversaire, donc c'est vraiment trop cool. Il est avec moi aussi, c'est l'essentiel. Ça fait un week-end en amoureux, ça fait 6 ans. 6 ans, depuis qu'on a des enfants, qu'on n'a pas passé un week-end comme ça sans enfants. Donc ça fait du bien, ça fait bizarre parce que je pense à eux tout le temps, mais ça fait du bien aussi. Bref, donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que notre passe sanitaire, on nous a demandé s'il était bien valide de plus de 14 jours, mais il n'y a eu aucune vérification. Ils n'ont pas vérifié notre code, vous savez, votre flash code là. Ils n'ont rien vérifié du tout, que ce soit en France, donc nous on est parti de Lille, mais aussi en Angleterre, il n'y a absolument personne qui a vérifié. Alors pour le retour, je vous dirai, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me demander cette fois-ci, mais en tout cas pour l'aller, il n'y avait pas de problème. On a dit qu'on l'avait fait et eux, ça suffisait, notre parole. Donc, ma foi, je m'attendais à ce que ce soit plus galère, et en fait, ça a été. Parce qu'on nous a tellement dit nanani, nanana, nanani, nanana, Londres, c'est compliqué, tatati, tatata. Au final, ça a été. Donc, ma foi,
Alors le fameux petit code qu'il faut, c'est un truc à payer hein, évidemment, il y a plusieurs budgets. Mon mari m'a dit qu'il avait payé le moins cher et que ça avait marché, que ça n'avait pas coûté très cher du coup, donc voilà. Sachez-le, ça coûte pas si cher que ça, le fameux code qui permet d'avoir un soi-disant test au bout de 2 jours. Mais nous on reste moins de 2 jours en fait, donc on est quand même obligé d'avoir ce fameux code même si on reste moins de 2 jours. La logique est bizarre, je pense que c'est une question de business. Bref, au studio, on s'est régalé. Vous avez vu les images, de toute façon, on s'est régalé. Surtout moi, hein, j'étais une vraie gamine. J'essayais de vous poster des petits réels sur Instagram, donc je vous remets mon Instagram si vous voulez me rejoindre. Et j'ai craqué parce que oui, avant d'aller au studio, on est passé à la boutique plateforme 9 3 quarts à King Cross à Londres, une des grandes gares de Londres. C'est juste à côté de celle, en fait, quand on arrive de Lille, on arrive à King Cross, mais c'est pas très très loin du coup. On est passé à la boutique 9 3 quarts, j'ai acheté des petites choses, et puis là, à la boutique Harry Potter, j'avais prévu des choses, hein, j'avais fait une wishlist spéciale Harry Potter. Et demain, on va refaire du shopping, mais là, je serai plus raisonnable, on va passer à la boutique Too Faced, à la boutique Primark, parce que la boutique Primark à Londres, c'est Primark, quoi. C'est pas le Primark de France, c'est du level. Et je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, je pense spéciale haul, mais regardez. Trop beau les sacs, non? Déjà les sacs ils claquent, et là il y a le cadeau de mon mari, il va faire un beau cadeau. Sachez, pour les fans d'Harry Potter qui sont pouf souffle, et ben les couleurs qu'on a nous en France, c'est pas les mêmes qu'ici, hein. Donc j'ai dû racheter une cravate, enfin, faut le dire tout de suite, voilà, j'ai dû racheter une cravate, et bon là c'est ma cape qui vient de AliExpress, mais ça va bientôt changer. Et là-bas j'ai pu réussir à avoir un badge pour mon birthday, c'est trop marrant. Et d'ailleurs j'ai récupéré, mais chut, faut pas le dire à mes élèves, j'ai récupéré des petits passeports. J'en ai pas à 23, j'ai pas pu en prendre 23 pour tous mes élèves, mais j'en ai pris quelques-uns pour mettre dans ma boîte à cadeaux. Donc je suis trop contente. Bon, je vous spoil pas le reste de la vidéo pour tout ce qui est haul, mais en tout cas je suis vraiment ravie et exténuée de cette grande journée. Je vous retrouve en ce dimanche. Ce matin, nous avons été faire un petit brunch à Notting Hill. Vous savez, le fameux quartier qui est vraiment très très mignon. Ça fait 4-5 fois que je viens à Londres et honnêtement, j'avais jamais été dans ce quartier-là, donc vraiment... c'est très très sympa, le brunch était vraiment top, je vous mets des photos ici, mais je vous ai partagé tout ça sur Instagram. C'était assez instagrammable d'ailleurs, c'était très healthy, etc. C'était trop marrant. Et après on a été à Oxford Street, donc faire du shopping. J'ai été chez Primark, mon sac est défoncé hein, clairement. Heureusement que j'ai réussi à le ramener jusqu'ici, et je suis allée évidemment à la boutique Too Faced. J'ai acheté qu'une seule chose qui n'était pas disponible en France et qui ne le sera jamais. Et après Primark, j'ai acheté des petites choses pour mes enfants, des choses Harry Potter, des choses pour un concours sur Insta Harry Potter. Donc je vous mettrai la photo. Je vais pas faire de concours ici, je pense que je vais vraiment faire ça sur Insta. En tout cas, je vous invite à aller m'y retrouver si vous voulez gagner des petites choses Insta. Et puis peut-être que je ferai gagner aussi sur Insta et dans ma vidéo Haul Londres. Ça peut peut-être être intéressant de faire sur les deux. J'ai trouvé des petites choses pour mes enfants et tout, ça m'a fait plaisir de leur acheter des petites choses, des petites cochonneries, pas des cochonneries, on va dire des petites gâteries, hein, des petits cadeaux. En revanche, il va falloir que j'essaye de mettre ça dans une seule valise parce qu'on n'avait pas, je voulais en acheter une à Primark, mais c'était cher les valises, c'était à 40 euros. Donc non, c'est mort. Donc je vais essayer de caler ça dans ma valise qui n'est pas énorme et qui est déjà remplie par tout ce que j'ai acheté chez Harry Potter. Dis donc, en vidéo, mon make-up il est bizarre. En même temps, ici, la lumière pour se maquiller, c'était pas terrible. Et puis, bah, je pense pas vous reprendre dans ce petit vlog aujourd'hui. Je vais aller me chercher à manger, puis après je vais aller prendre mon train avec ma valise, etc. Mon mari, il revient dans la chambre d'hôtel, donc je lui laisse des petites choses et lui, il les ramènera demain. Et parce que lui, il est parti à un match de football américain. Il y a 2 matchs dans l'année à Londres de football américain. Lui, c'est un très très grand fan de football américain. Du coup, bah... Il a été tout seul parce que sinon lui il rentre que demain et moi demain je bosse, donc j'avais pas trop le choix. Donc ma foi, on profite un petit peu séparés et lui il a l'air de bien s'amuser, donc ça c'est trop cool. Et puis je vais aller donc me chercher à manger avant de prendre le train. Je vous retrouve donc demain en classe. Je vous retrouve en classe, on est lundi et j'ai mis ma nouvelle cape, regardez, elle est pas trop belle. Ma nouvelle cape pouf souple avec ma nouvelle cravate. Oui, parce que c'est pas les mêmes couleurs que celles que j'avais. Donc j'ai racheté une nouvelle cravate aussi. Je suis toute belle et je suis trop contente d'avoir retrouvé mes élèves. C'était moins une parce que ce matin ma fille n'était pas top. Et j'ai failli la garder, mais finalement ça a été. Donc là je vais vérifier qu'elle va bien. C'est la chance d'avoir sa fille dans l'école, hein, je vais vérifier ça. Petite mission du jour, terminer nos potions, on a plein de boulot à faire quand même, hein, c'est la dernière semaine, mais on a plein de petites choses à faire, donc on va continuer notre petit rythme, on va essayer de faire ça bien.
J'ai ramené des petits bonbons donc de mon voyage à Londres pour mes élèves pour mon anniversaire, avec des cakes, des boissons. Vu qu'on n'a plus les masques, bah, ils ont le droit de manger en classe un petit goûter. Et j'ai eu un premier cadeau d'anniversaire, regardez ça. C'est trop, trop mignon, trop mignon. Alors j'ai eu plein de petits mots par mes élèves ce matin. Et je vais regarder ça ce soir tranquillement, les lire tranquillement. Et j'ai eu aussi, on fait jouer les anniversaires en chantant. Regardez ce nouveau petit cadeau. C'est un petit coussin là, Hogwarts, trop beau. Trop beau, ça va être parfait pour notre déco là-bas au fond, dans mon petit coin lecture. Je vous retrouve en ce mardi de fin de période. J'ai vu que sur Instagram, beaucoup d'enseignants étaient crevés. Moi, ça va pour l'instant. Je suis fatiguée le matin pour me réveiller, mais après, ça va, je pète le feu. Aujourd'hui, dans mon sac, j'ai ramené du lait, des chamallows de chez Action et du bon chocolat chaud, le Wittard, que j'ai acheté sur vente privée. J'en avais parlé sur Insta. Il est très très bon et du coup aujourd'hui je vais faire des chocolats chauds pour mes élèves. Alors pas tous, je vous avais montré ça sur Instagram, vous étiez genre choqués et tout, mais dans les privilèges qu'ils ont, mes élèves, ils peuvent choisir une boisson chaude ou froide. J'ai quelques Oasis et Ice Tea froid dans le frigo et du coup bah ils choisissent aussi beaucoup le chocolat chaud. Donc là aujourd'hui il y a quelques élèves qui, il y en a 3-4 je crois qui ont choisi ça, donc je vais leur préparer tout à l'heure leur chocolat chaud. Alors ce matin pour l'accueil pendant 10 minutes je leur laisse faire un petit peu d'anglais. Là j'ai préparé, enfin c'est pas moi qui ai préparé, c'est mon AED qui est vraiment au top du top hein. Angeline, si tu passes par ici vraiment tu déchires. En anglais elle a décidé de se mettre un petit peu au cours d'anglais, je vais donner mon guide pour qu'elle s'aide. Et là elle a fait du coup un petit mot mêlé comme ça, non comment ça s'appelle ça, mot fléché avec des petites devinettes, ils doivent mettre les mots dans la grille, donc ça c'est super cool, ils vont faire ça ce matin un petit peu. J'ai aussi de l'histoire à terminer, j'ai mon chapitre d'histoire à terminer sur la Révolution française, qui est un gros chapitre quand même. Ensuite, aujourd'hui dans mon programme, on va continuer l'entraînement sur les nombres jusqu'au million, au milliard, comparaison de nombres, remettre dans l'ordre, etc., dans l'ordre croissant, décroissant, donc ça c'est de l'entraînement, on continue aujourd'hui. On doit finir aussi nos sciences et cet après-midi un petit peu nos potions. Je fais ça cet après-midi parce qu'il y a mon AED du coup, donc ça sera plus pratique quand même. Et hier soir, juste à la fin de la journée, j'ai eu un dernier cadeau et je vais vous le montrer parce qu'il vaut le coup. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Cette année, j'ai été aussi encore une fois gâtée. J'ai eu ce petit paquet à cadeaux et ça vous dit tout de suite. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous suivez un peu l'actualité des livres et tout ça et que vous êtes aussi un petit peu fan de J.K. Rowling, elle a sorti il y a quelques jours son dernier livre. Le voici. Donc c'est un cadeau d'une maman. Merci Sarah si tu passes par ici. Donc c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Déjà il sort au bon moment, le design est trop trop beau comme ça. Il est superbe, j'ai hâte de le lire du coup, je pense que je vais le commencer très très vite. Je suis trop contente. Ça c'est un beau cadeau encore une fois d'élèves, je suis vraiment gâtée dans cette classe, dans cette école, c'est trop trop bien. J'ai eu aussi plein de petites cartes de mes élèves, avec ma collègue du vendredi ils ont fait une petite carte où ils m'ont mis des petits mots doux, des beaux dessins, enfin bon voilà, que des petites merveilles comme ça, je vais lire tout ça tranquillement, je pense ce week-end, mais ça me fait trop plaisir. On est mercredi aujourd'hui, journée des enfants, j'ai plein de choses à faire, j'ai le ménage à faire, j'ai la lessive à faire, enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire. Un colis à ouvrir aussi, je pense que je vais vous faire ça sur Instagram parce que ici ça va être un peu long. Sinon, juste avant de partir à Londres, j'ai reçu une petite enveloppe d'une abonnée et ça m'a fait trop trop plaisir. Donc pour mon anniversaire, je vais vous la montrer juste après parce que je trouve que bah voilà, je dois lui faire un petit clin d'œil. Ça m'a fait tellement plaisir et c'était juste à un jour près de mon anniversaire, donc elle avait été trop trop forte. Donc Samantha, merci encore si tu passes par ici. Elle m'a dit que mes vidéos lui donnaient un peu la pêche, lui donnaient envie de se remaquiller, etc. Donc vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai reçu un livre aussi, donc je vais vous le montrer de la part d'une maison d'édition. Donc c'est la maison d'édition Vuibert, qui est aussi la maison de Boeck, je sais pas comment ça se prononce, de Boeck. Donc c'est une maison d'édition qui a plusieurs marques entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais il y a plusieurs maisons d'édition, mais c'est la même qui gère tout. Et on m'a envoyé ce livre là, j'ai rendez-vous avec les parents, le kit pour gérer les relations parents, prof, élève. Et c'est un livre qui m'intéressait pas mal, donc aux éditions de Boeck supérieur. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ouais, il me plaisait bien. Bah, du coup, c'est un petit livre quand même, il a pas l'air très très long à lire. Et ça parle un peu des relations avec les parents et tout, donc ça peut être super intéressant. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Donc Samantha m'a envoyé une grande enveloppe avec des petites choses à l'intérieur. Donc il y a des petits cadeaux comme ça, il y a le petit... charme de chez Poufsouf, de la collection Harry Potter, comme ça, Wizarding World, des petits tisanes, je pense, des petits thés même, Manglichi, bon bah pourquoi pas, je testerai, des grands, comment ça s'appelle,
Oh, j'ai un trou de mémoire. Non, mais la fille, quoi. Bref, c'est fabriqué maison par Samantha et ça m'a fait trop plaisir. Donc, avec Hogwarts, ils sont juste trop beaux. Pour faire des photos ou même pour ma classe, ça va être trop beau. Version Pouf Souffle. Donc, elle a compris que j'étais chez Pouf Souffle. Ici, elle m'a fait des petits tags. Justement, c'est trop trop bien. Avec Edwige, un autre avec, je pense, le Béraud, avec Hogwarts. Donc, c'est trop bien. Des petits, vous savez, pour mettre sur les vêtements. Donc, avec la fameuse machine que je vous en ai déjà parlé dans un teachy vlog de rentrée, je pense. Et une grande carte comme ça, fait maison. Donc, trop belle, vraiment plastifiée en plus, donc ça c'est trop bien, je vais pouvoir l'accrocher dans ma classe. Un grand ticket de la plateforme 9¾ aussi comme ça, et elle m'a fait une petite lettre, un petit mot doux comme ça sur avec les logos et tout, c'est trop bien, pareil plastifié, donc un très beau souvenir, ça m'a fait tellement plaisir. Merci beaucoup encore Samantha. J'ai déjà renvoyé un petit colis parce qu'elle m'a acheté un petit truc sur Vinted et j'ai rajouté plein de bonus pour la remercier et tout, donc voilà, merci encore Samantha. Du coup, je vous retrouve ce dernier jour de classe. Oui, ce soir, vacances pour moi. Ouh. Donc, hop, je vais mettre par là parce qu'il y a les élections des délégués aujourd'hui et du coup, il y a les affiches derrière moi sur le tableau avec leurs petits discours et tout. Ils ont fait ça bien, hein, vraiment. C'était très très sympa, il y a eu des très beaux discours, des belles idées, vraiment j'ai trouvé ça cool. Aujourd'hui, comme vous pouvez, pour ce dernier jour, hein, j'ai mis ma cape de Pouf Souffle des studios, j'étais obligée, hein, faut bien que je la rentabilise hein, pour le prix qu'elle coûte. Ma petite cravate et j'ai mis un pull camel comme ça que j'avais acheté à Primark, je pense, que je n'ai jamais mis d'ailleurs et que c'était l'occasion. Hein. Sinon, on a fait une leçon quand même ce matin que je dois corriger, il y a les cahiers là-bas, j'ai le cahier du jour à corriger, j'ai le cahier de leçon à corriger. Et cet après-midi, ça va être un peu plus tranquille quand même au niveau du programme. Donc, on va voir comment ça se goupille. Mais élection des délégués cet après-midi. Et puis, finition des petites choses. Et peut-être on va regarder un film, je pense, pour ce dernier jour ensemble. On va voir, on va voir. Donc, voilà pour le programme du jour. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment ça s'est passé les derniers jours. Vos vacances, si vous avez prévu des choses pendant les vacances. Voilà. Si le fait d'avoir été à Londres et de vous avoir dit un petit peu la procédure, ça vous a aussi donné envie d'y aller. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Hein. J'ai hâte de vous lire comme toujours. Voici notre dernière leçon du jour. C'était de l'orthographe sur comment écrire la fin de certains noms communs. Donc les noms féminins, les noms masculins. Donc il y a toute une leçon sur ça. Et on a travaillé donc notre dictée dans notre cahier de leçons. Une petite énigme en mathématiques aussi. Et on a aussi avancé sur nos potions, donc je vous montre. La dernière fois, on les a finis, je crois que c'était mardi, on a avancé sur les mélanges. Et là, on est en train de coller les étiquettes. Et après, cet après-midi, si j'ai le temps, j'espère pouvoir leur faire des bouchons un peu sympas. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais bon, on va voir. Et en tout cas, il y a des potions qui sont vraiment pas mal du tout. Là, de plus près, elle est pas mal celle-ci. Hein. Elle est super classe. Donc, on a mélangé à l'intérieur de la colle, de l'eau, un tout petit peu d'eau pour avoir cet effet quand même un petit peu plus fluide. Des paillettes, comme vous constatez, qui restent en bas. Et certains ont mis des petits morceaux. Là, par exemple, il y a un petit scorpion. Est-ce que vous le verrez à l'intérieur? Il y a un petit scorpion. Là, on va le voir. Là, vous allez voir. Il manque l'étiquette. Il n'a pas encore mis l'étiquette, mais des espèces de mille pattes, là, comme ça, à travers. Donc, voilà, il y a des potions qui sont vraiment sympas. Celle-ci, regardez, elle est trop, trop belle. Déjà, la forme, elle est top. Et Félix Félicie, là. Quelques paillettes. Trop bien. C'est très, très joli. Aujourd'hui, je ne vous ai pas repris pour ce dernier jour du Titchy Vlog, puisque aujourd'hui, je fête mon anniversaire avec mes collègues et amis. Et du coup, bah, ça va être cool. Donc, j'ai fait du ménage, de la préparation, etc. Mais je voulais quand même vous revenir, revenir vers vous pour clôturer cette semaine intensive. Et vive les vacances, même si moi, je serai en stage la semaine prochaine dans ma classe avec des élèves en difficulté. Plus ou moins en difficulté, ou en faire des petits jeux de mathématiques, etc., histoire de bosser quelques domaines, donc ça va être plutôt cool. Je suis encore en forme, moi je suis pas extrêmement fatiguée, ça va, ça va. Donc je tiens le coup. Donc en tout cas, je vais clôturer ce vlog là, et j'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, et je vous fais des gros bisous.